Ok, alors. Je pensais que je m'étais endormie dans le métro. Mais je pense que je me suis fait déplacer par les vigiles. Ah, mais c'est bien ça, il y a un motel maintenant. Et le casino. Des unicornes. Un petit restaurant. Alors, garage le plus près. C'est parti. Alors, ouais, passer par là. Bon, bah, on fait le petit jogging du jour, hein. Un stop. Que je tourne à gauche, alors je peux déjà traverser ici. Oh, petit chat, il est trop mignon. Petit, viens. Viens, petit. Hé, mais n'aie pas peur. Non, reviens. Plus vite que moi. Bon, en même temps, j'étais pas la meilleure en sport, hein. Reste pas sur la route, petit chat, tu vas te faire écraser. Ben oui. Ok, on y est presque. Faut que je réfléchisse et faut que je m'arrête. Alors, hop.
Mais c'est ces gens-là. C'était pas ce parking-là qu'on m'a dit. Hop, c'est par là. Ah ben le métro, c'est ici que je m'étais... que j'étais venue dormir. D'ailleurs, je vais regarder un truc. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de neuf sur Twitter? Des gens en prison. Faudrait que j'aille faire un tour Unicorn juste pour voir à quoi ça ressemble. Bah dis donc, ça a l'air dangereux cette ville. Des explosions. Et bah ils sont pas ces trucs. Moi je vais manger un petit bout. J'ai une petite soif. Bon, ça va pour moi. Faut pas que je mange trop. Sinon, on peut la manger le ventre. Je sais qu'il faut pas trop faire ça, mais... Eh ben nickel. Je voulais vérifier quelque chose. Ok. Bon, on va pas mettre les gants au phare, hein, parce que... Alors, ben, je pense que je vais aller travailler au golf. Oh, mais ben, je suis vraiment pas loin en plus. C'est parfait. Hop là, c'est par là.
ça. Alors, j'espère qu'ils engagent encore. Bonjour. Willow Blight. Oui, je suis déjà mis quelquefois. Oui. Merci. Là-bas. Alors, je travaille un petit peu et puis il faudra que j'aille me balader en ville. Enfin, je suis pas obligée, mais je vais bien me balader en pleine ville. Oh, le Nicogol. Excusez-moi. Il y a encore un petit trou dans le t-shirt. Et c'est parti. Je ne sais plus où j'en étais. Ok. Il faudrait que j'essaie d'aller m'enseigner pour voir les différents emplois. Alors, en tout cas là, NSPD, c'est clairement pas pour moi. Peut-être travailler à l'hôpital. Sinon, j'ai entendu parler une fois par la police qu'il y avait le casino qui allait ouvrir. Bon, j'ai vu qu'il y avait un restaurant aussi qui avait ouvert, je sais pas si dans un monde.
ce truc. J'avais vu dans la petite brochure qu'il y avait des vignes. Récolter du raisin, ça pourrait être sympa. Un petit peu de buisson, il était trop épais. Trop épais. Non, trop ce buisson. Ça se voit qu'il n'y a pas un entretien régulier. Hein. C'est par ici. Mais t'es un peu perdu, je réfléchisse par moi-même. Mais ça va, je vais commencer à connaître par cœur ce bois.
place, ça c'est fait. Alors, on va parler de mauvaises herbes. Effectivement, c'est par ici. Alors, c'est par où? Hop, c'est par ici. On va y penser. On va l'ouverture est un peu trop haute. Coincé. Ouais. On m'a toujours dit qu'un bon coup de pied ça pouvait régler tous les problèmes. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas cette fois-ci. Bon ben. Oups. Mon petit spade, j'ai glissé. Bon, j'allais voir le patron après. Bonjour, excusez-moi, il y a un petit problème avec le tracteur à tondeuse là-bas. Oui, c'est ça, avec la bordure, tout à fait. Ah, ça arrive souvent. Ok. Du coup, je peux avoir une autre machine. Merci beaucoup. Ah, en plus, c'est les bonnes. Je vais faire, je vais chercher un peu de temps.
Est-ce qu'il y a des news sur Twitter? Ok. Hop. On va faire attention à ne pas reconcilier tout ce que je... Ah bah si, parfait. Après, je préfère le bleu. Hop, il faut mettre des produits sur l'arbre pour enlever les parasites. Bon, je vais réfléchir ici à des pinceaux. C'est une chaussette. Bon, il y a un golfeur qui a dû perdre sa chaussette. Il est trop chaud au pied. Il y a souvent des cheveux bizarres dans les piscines. Un peu et un petit coupa ici aussi. Je sais pas si j'ai fermé mon scooter. Je pense que oui. Excusez-moi, je ne fais que passer. Bon, on va se garer là. Est-ce que oui ou pas non? Là. On peut nager. Oh, je me rafraîchis un petit peu. Il fait quand même chaud ce jour-ci. Bah c'est pas très bon, il faut que j'aille.
On va pouvoir faire des petites boutures pour que ça repousse mieux. Beaucoup ce véhicule. Donc c'était par là. Est-ce que j'ai encore beaucoup de sandwich? Donc ça va pour moi. Hop. Bah c'est juste derrière. J'avais pas très bien vu sur le plan qu'on m'a donné. J'ai pas encore rencontré beaucoup de monde, je me fais bien une petite ville. Il y a pas mal de choses à faire. Allez, hop hop. Ah mais non, il est encore pas aussi. Ah, il a un peu de chance avec ses véhicules, vous voyez. Bon. Alors, on a laissé l'autre pas très loin. Et on l'avait décoincé avant, surtout. Sinon, on aurait dû. On avait un troisième, mais je suis pas sûre que le patron aurait été très content. Hop.
cela, on va pas les faire en ville. J'aime pas aller dans des lieux où il y a trop de monde. C'est par là. Voilà. Est-ce que il est coincé? Bon, ça a l'air d'aller. Parfait. C'est par ici. De nouveau par là, c'est parti, on y va. J'arrive pas, j'ai une montagne aussi me promener. On est pas très loin parce que je pense qu'on pourrait pas. La zone est un peu réduite à cause de ce qui s'est passé, mais. Je pense qu'on peut aller au moins par ici. Donc là c'était bon par ici. Ouais, je pense qu'on peut aller au moins par là. Oui, comme il y a de toute façon des vignerons par là. Il y a un lac. J'ai pas envie de me promener par là. Un observatoire, un théâtre. Oh, je pense que je vais me promener par là tout à l'heure. Hop, c'est par ici. Bon, il fait quand même un petit peu chaud. Du coup, je vais mettre mon top. De toute façon, il va pas dans mon monde. Bon, le t-shirt troué. Je ne comprends pas ce qui est plus esthétique. Hein. Ah, il paraît que je dis qu'ils ont oublié. Un club de golf.
fait plutôt calme ce soir. Je comprends pourquoi ils demandent si on a le permis. C'est vrai que c'est quand même un petit plus pour pouvoir conduire ces engins. La maniabilité n'est pas des plus simples. Là, j'ai pu la glisser. Ah, oh, mais c'est pas très loin. Oh, super. Bon, il faudrait penser à arroser ces pauvres buissons. Hop là. C'est par ici. Par ici. Parfait. Alors,
Hop, ici. Hop là. J'ai eu mon pied un peu de travers. J'ai pris les pieds dans les racines. Mais ça va. Plus de peur que de mal, comme on dit. Ici. Forcément le métier le plus captivant, c'est vrai que je croise pas beaucoup de monde, mais c'est un bon départ. Et puis il faut dire que ça paye plutôt bien. En plus on est dehors, tant qu'il pleut pas, bon c'est vrai que s'il pleuvait, ça ferait peut-être pas le meilleur métier. Hein. Ratisser un petit peu le sable parce que je fais plein de traces avec mon véhicule, c'est un peu moche. On voit pas qu'ils s'en fichent. Je ne sais pas se faire arriver quand même. Oh non, je me vois du tout. On va aller chercher l'autre, hein. Comme quoi, hein, faut toujours avoir deux véhicules.
C'est par ici. Est-ce que c'est bon comme ça? Voilà, il est décoincé. C'est parfait. Hop, c'est reparti. Parfait. La lune est belle ce soir. Heureusement que c'est des véhicules tout terrain. Moitié de pas, ça va coincer. Et c'est reparti, on continue.
embêtant, à chaque fois je me colle le genou contre le klaxon. Il est quand même déjà tard, j'ai pas envie de réveiller les voisins à prendre un peu loin, mais quoi, ton maison là derrière, j'espère que je fais pas trop de bruit. Tant que la police ne vient pas, c'est que c'est pas considéré comme du tapage nocturne. Peut-être que le pôle fait une autorisation. Enfin, je sais pas s'ils auraient une autorisation de klaxonner quand même. J'espère qu'on va pas entendre si je suis trop fou. Avec quelqu'un, hein? Ah, j'ai encore reçu une note de l'État. Donc ça fait toujours plaisir. De côté, sinon on va encore rester coincé. C'est ici qu'il faut faire attention à la bordure. Alors, j'avais dit combien moi. Ok, encore un petit peu. Alors, hop. Par ici, recouper des branches. En tout cas, ça a dû bien fonctionner, hein. Il y a quand même souvent des golfeurs et puis des employés. Je pense pas qu'ils entretiendraient autant s'il n'y avait personne qui vient. Alors ça, on va enlever ça aussi. Voilà, je pense que c'est la dernière chose qu'on m'a demandé aujourd'hui. Et voilà, monsieur.
On va aller à la banque la plus proche, c'est ici. Alors, c'est par ici. C'est par là. Ah, je vais quand même enlever mon casque. Bonjour. Ce serait pour faire un dépôt, s'il vous plaît. On va déposer. Ah, soit j'ai pas besoin de garder beaucoup. Hein. Ah, ça me semble pas mal comme ça. Bonne journée. Ah, j'avais oublié de... Oh bah, c'est pas le casque que j'ai d'habitude, mais il est sympa. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai bien envie d'aller le premier par là-bas. Allez, c'est parti. Hop, ça sera par ici.
rouge, le pH jaune, l'essence est encore bonne. Peut-être quand je reviendrai, il faudra que je refasse un petit plein. Alors, normalement l'observatoire, oui, il est là-bas. Et ben c'est beau par ici. On va juste suivre la route. Et là, je trouve que c'est vraiment très chouette comme endroit. Yeah. On pourrait faire un super concert ici. Faire un petit peu de yoga. Franchement, le cadre idéal. Hein. Ouais, plus l'eau est plutôt bonne. Hein. C'est reparti.
On se promène par là. Une discipline. Bonjour. Non, en vrai, je pourrais aller jusque là. Comment on va tester? Non, c'est pas ça. Colette. Bon, tant que c'est pas un chien, ça va. Hop là. Je voulais pas une radio. Un théâtre. Je vais aller voir ce qui se passe. Waouh, c'est trop bien. Rien que d'être là, d'imaginer qu'il y a des gens qui me regardent, et bien ça me stresse. Hop. On ne va pas rester là longtemps. Hop là. Attention où je vis. Hein. On va sortir d'ici. C'est quoi par ici? Bah tiens, on va parler de camping.
je vais manger un petit bout. En tout cas, on croit à la nouvelle de tout à l'heure, le journal a ouvert. Oh. Je vais remplir la liste. Et c'est reparti. Cassé. Oula, on va pas se barrer parce que les gens ont l'air d'avoir reçu leur permis d'une prochaine surprise. Ah tiens, je sais où je vais aller. Oh, on va se mettre sur le côté pour regarder. J'avais bien envie d'aller voir. Le motel. Qui est là-bas. Rouler sur la place de parking. Yeah, what's up?
Du coup, le motel, c'est là-bas. Ça a l'air sympa. Ah, il y a une piscine. C'est pas mal comme endroit. Il y a un endroit pour demander des chambres. Enfin, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça en ville. Bon, j'ai toujours un casque de réserve. Hop, on va rester sur le parking, on va regarder la carte. Juste ici. Il y a un hélicoptère. Bon, bah du coup, je suppose qu'il est par là. Capitaine Rocket. J'ai jamais entendu parler de lui. Bon, après, je sais pas pour beaucoup de monde. Je me demande qui c'est. Avec un nom pareil, on est un peu un super héros, peut-être. Après tout, on ne sait jamais. Alors, franchement, je pense que j'aurais jamais fait autant d'exercices. Hein. Bon, c'est encore loin. Non, on y est presque. Un camion de l'ambulance. Un reportage peut-être sur le service public. Il y a un peu de monde là-bas. Bon. Je vais chercher mon scooter. Ah bah ça doit être le reportage qu'ils sont en train de faire. En tout cas, quand j'aurai un appartement, j'espère que j'aurai un garage. Ce sera plus pratique quand je me réveillerai. Je pourrais accéder tout de suite au garage.
Alors, c'est censé être par ici. On va aller voir, j'espère qu'elle est là. Oh, pardon, excusez-moi. Ah, ils l'ont mis à la fourrière. Oh, mais c'est ça, on fait un petit malaise et puis ils pensent que les véhicules sont abandonnés. Alors, la fourrière, c'est par là. Bon ben, c'est reparti. Elle démarre cette voiture ou pas? C'est vert, monsieur, pour vous. Elle marche bientôt, ça n'est plus. Ça va venir bon pour moi. Ouais, je comprends rien à leur feu. Bon, il n'y a plus de voiture, on va passer. J'ai l'impression que depuis que je suis ici, je fais que courir et chercher après mon véhicule. La forêt est un petit peu trop au taquet, hein. Hop, par ici. Par là. Il y en a un commissariat par ici. Je me demande s'il est ouvert. C'est sympa par ici. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a plus personne à cette heure-ci. C'est rien de chercher par ici. De toute façon, ils ont dit à la fourrière, donc je vais pas déranger quelqu'un pour m'amener là-bas. Bon, j'espère qu'ils sont pas trompés de fourrière cette fois-ci. Je pense que c'est là où je suis déjà venue l'autre fois et ils avaient peur de mon véhicule. Et maintenant ils ont agrandi leur service et qui communiquent d'un à l'autre. Ah oui, c'est ici que j'étais venue, je m'en souviens.
le cadet de la SPD est irrespectueux envers les citoyens. Pour une valeur sympa que je vais dire. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous aurez récupéré mon véhicule? Ah, merci beaucoup. Alors, je vais mettre sur le côté, en temps de voir où je voulais aller. Bon, je vais faire un petit tour en ville, je pense. Je vais passer ici. En espérant que je ne vais pas de nouveau refaire un malaise devant l'hôpital. Hein. Parce que normalement l'hôpital c'est pour guérir, pas pour faire des malaises. Là, c'est ici à droite. C'est par là. Ah, j'aime pas cette mon carrefour, je sais jamais par où aller. Thank you.
super important d'avoir acheté ce scooter. C'est quand même un peu la liberté. Un restaurant, ça a l'air sympa. Je vais me mettre ici sur le côté pour regarder un petit peu ce qui se passe. Il y a un restaurant là-bas, il y a un commissariat, on avait été l'autre fois. Il y a une petite supérette. Je vais continuer un peu à visiter hein. Parce qu'on a déjà fait un peu le tour de la ville, mais c'est quand même grand. Puis en plus, il y a de nouveaux établissements qui ont ouvert. Alors, c'est par ici. Ça a l'air sympa. Bon, si j'ai une envie de faire un petit restaurant, je sais qu'il y a ici. Et puis il y a les burgers aussi. Enfin, pour moi, j'ai mes sandwichs. Pour le moment. C'est vrai que j'avais dit que je passerais voir aussi le unicorn, voir où il est, voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, c'est par où? Ah, c'est par là, c'est parfait. Heureusement qu'il n'y a pas trop de trafic parce que bon, je suis vraiment pas la meilleure conductrice. Hein. Ils m'ont donné leur permis, mais alors c'est peut-être le mieux tout le monde en ville. Hein. Quand je vois certains rouler, je pense qu'ils sont pas très exigeants. Hop, par ici. C'est vraiment pratique dans les GPS. Oui, il y a quelques concessionnaires. C'est vrai que j'avais acheté mon scooter ici. Et je pense que la prochaine voiture, enfin le prochain véhicule que j'achète, je pense que ça sera une voiture. Je suis pas sûre d'acheter une moto.
J'aime bien mon petit scooter. Il va falloir encore que j'aille travailler un petit peu au golf. Ou éventuellement que je me trouve un emploi un peu plus stable. C'est pas là l'unicorne. Et ben, ça a l'air très sympathique comme endroit. He didn't mention being married, okay? He wasn't wearing no ring. Bon, elle est pas si fort, madame. Je veux qu'il aille voir un peu plus près. Bon, là, c'est joli. C'est un petit coin pour faire des photos, pour faire des événements et tout. Hop. Alors, le GPS dit que... Ouais, c'est parfait. Regarde sur mon GPS. Pardon, n'ayez pas peur. En vrai, j'ai bien envie de repasser le Mont-Royal. Juste pour profiter d'une belle ligne droite. Et puis en même temps, comme ça, je me promène. Puis j'ai tellement pas le sens de l'orientation que plus je vais passer devant. Et plus je retiendrai où c'est. Enfin, je crois. En fait, peut-être pas. Bon, en tout cas, j'espère que le jour où j'aurai besoin d'y aller, je me perdrai pas. Hein. Le GPS, il a l'air quand même pas mal. Tant mieux, hein. En fait, ça dépend. Parce que tant mieux s'il y a pas beaucoup de malades, mais s'ils sont sur le terrain, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'accidents. Ouais. Donc en fait, peut-être pas tant mieux. J'ai failli avoir un poteau dans ma tête, heureusement que j'ai un casque, mais bon quand même. Hey dude, what's going down? Alors, on va aller jusque là, et puis après on prendra à gauche.
ici. Qui est là-bas. Alors, on va aller par là. Ah oui, il y a vraiment pas mal de monde. Bon, en tout cas, si c'est pour le reportage, ça veut dire que c'est pas des criminels qui sont là-bas. Parce que bon, j'avais quand même entendu un peu des rumeurs qui disaient qu'il y avait des trucs bizarres qui se passent à Santos. Surtout que bon, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait eu un enterrement. Bon, après, il y a quand même des gens qui peuvent mourir, mais ça a l'air un peu bizarre cette histoire. Surtout que Wizard News a quand même fait une annonce tout à l'heure. Ah ouais, j'ai pas pris le bon. Oh bah, je pense que je vais aller faire le plein d'essence moi aussi, donc j'essaye. Hop. Et voilà. Bon, ça va encore. C'est pas encore trop cher. La folie est plus chère. Hop, par ici. Voilà, je sais pas trop où je dois aller. Par ici. Bon, en vrai. Allez hop. Viens me promener sur la plage. Thank you.
vachement cool les lunettes de soleil. Là, j'aime bien celle-là. Hop, attention pour elle. Vers les chiens. Oh non, les tatous, j'en ai déjà un, ça me suffit. Tiens, je vais m'acheter du chocolat. Oups, excusez-moi. Eh ben, il était vachement bon le chocolat. Moi je n'ai rien de nouveau, une petite balade sur la plage après avoir travaillé au golf. Ah, j'ai enlevé mes chaussures. Hop là. Pourquoi j'ai mis la caisse? J'ai enlevé mes chaussures. C'est du cœur, hein. Bon, moi maintenant il y a des hélicoptères, c'est plus juste dans ma tête. Je me mets pour voir un jet ski. Non, ça me fait un peu peur quand même. Parce que bon, on le sait, on ne sait pas trop ce qu'il y a de temps. Après, bon, si on a un chien avec sauvetage, qu'il y a un moniteur avec nous, ça pourrait aller. On est bien là. On va marcher comme ça, les pieds dans l'eau. Qui sait, peut-être qu'un jour je viendrai avec quelqu'un ici. Bon, allez. Il est déjà tard. Enfin, il est tôt, mais
rester en plein temps de midi sur la plage. Ouais, par contre, je vais mettre mes chaussures parce que ça me crame un peu les pieds le sol. Qu'est-ce qu'il a changé hein? Je pense qu'il a dû décolorer. Il a perdu ses couleurs. Ah, je vais retourner magasin de vêtements pour essayer de voir pourquoi mon casque est décoloré. Alors, c'est par où? Ici. Shit! Jesus! Je me suis encore perdue. Non, c'est de l'autre côté. C'est par ici. Non, mais c'est là. Parfait. Alors, voilà, normalement. Parfait. Merci, bonne journée. Un petit entrain comme ça, un petit élan de motivation. On va aller hop, ranger ça. Du ma avec le SWAT quoi. Par ici.
J'ai pas l'impression que le GPS soit correct. Non, je pense qu'il y a peut-être une erreur. On va voir. Parce que je pense pas qu'il y ait de garage en plein milieu de l'autoroute. Bon, c'est pas grave. On va essayer de sortir. En plus, j'ai fait plein d'essence. Bon, il y a un garage par ici, ça fera l'affaire. Enlever son casque, ça sert à rien. Peut-être qu'on a quelqu'un sur la rue. Alors, le motel, eh ben, il est tout là-bas. Ok. Alors, si je ne me trompe pas, et c'est tout droit. Salut Fatina, how's the baby? Bon, j'ai dû rêver. Ah, il va falloir traverser ici. C'est un peu dangereux. On devrait mettre un garage près du motel, ça serait quand même assez pratique.
chambre. Ouais, je pense que c'est pas par là qu'on rentre. Oula, il y a une boîte de souffle. Si mon passe fonctionnait, je pense que c'est ma chambre. Ok. Bon, ben, c'est pas ce qui est le plus joli, mais ça ferait l'affaire. Ça serait toujours mieux que dormir sur un banc dehors ou dans le métro. Bon, je vais regarder quelque chose à la télé, mais elle n'a pas trop l'air de fonctionner. Bon, c'est pas grave.